bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reading vlog. Je vais essayer de vlogger quelques jours dans ma semaine. Je sais pas trop encore combien de temps. Je pense que vous verrez beaucoup ce plan-ci parce que je lis principalement ici. Bref, je vais juste vous présenter ma pile à lire de janvier parce que dans mon nouveau carnet de lecture, j'ai eu envie de faire une pile à lire mensuelle parce qu'il y a plusieurs challenges auxquels j'ai envie de participer. Je vous remets dans le petit i la vidéo dont je parle. Et du coup, je me suis fait une pile à lire du mois. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Dans cette pile à lire, il y a un livre que je ne pourrais pas lire du coup, c'est La Maison au Sortilège de Emilia Hart. C'est le livre qui a été choisi pour le book club de Cecilia, du Jurassic Jones. Et du coup, c'est son book club pour le mois de... Enfin, c'est le livre qui a été choisi pour le mois de janvier et février. Et je ne peux pas le lire ce mois-ci parce qu'il est emprunté à la bibliothèque. Donc je le lirai en février. J'ai commencé hier Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas et ça c'est le livre qui a été choisi pour les mois de janvier et février pour le challenge Game of Thrones de Caroline Mary Reads et Amy. Et écoutez, j'ai lu les sept premiers chapitres et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Pour l'instant, je sais qu'on suit Edmond Dantès, qui est un marin, oui, qui est un marin qui va se retrouver second d'un bâtiment et il revient après, je crois, trois mois en mer et du coup il revient à Marseille. Je savais pas que ça se passait à Marseille, c'est plutôt chouette parce qu'il parle beaucoup de lieux que je connais ou que j'ai déjà vus, puisque si jamais vous ne le savez pas, je vis à Marseille. Et j'aime vraiment beaucoup, on sent déjà toute la jalousie, la vengeance, le vice s'insinuer dans ce roman petit à petit, mais c'est vraiment assez rapide. Et bien écoutez, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, du coup je le combine avec un livre audio que j'ai trouvé sur YouTube, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je l'ai également emprunté sur ma liseuse pour pouvoir le transporter avec moi si jamais, par exemple j'ai eu un rendez-vous médical, j'ai pu l'emmener avec moi sans avoir emmené cette pavasse. J'en ai pour un petit moment, mais ça s'annonce vraiment bien parce que le début est très très cool. J'ai également commencé hier, et mon livre est crado, voilà. J'ai commencé Jane Eyre de Charlotte Brontë et là aussi j'aime vraiment beaucoup, je suis au chapitre 5, donc j'ai lu les 4 premiers hier. Et encore une fois c'est une très bonne lecture, j'aime beaucoup la dynamique. Donc Jane Eyre est une petite fille de 10 ans au début du livre et elle est maltraitée par... du coup c'est pas sa famille puisqu'elles sont pas liées par le sang, mais c'est sa famille par alliance. Du coup ses parents sont décédés et elle a été recueillie par son oncle qui est lui-même décédé, et c'est bien évidemment le trope, c'est pas vraiment un trope, mais, mais du coup c'est sa belle-mère et ses pseudo-cousins là, ses beaux-cousins, je sais pas comment on dit, du coup la déteste et la martyrise. Et le moment où je suis arrivée, elle va partir en pension. Donc pour le moment j'aime beaucoup cette dynamique, je trouve l'écriture très belle et très bien faite. J'aime bien les descriptions qu'il y a parce qu'on a quand même pas mal de moments où elle parle de livres et elle décrit aussi les bibliothèques, donc j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, regardez ce magnifique ouvrage fait par mon amie Émilie. Voilà, c'est fait de ses petites mains, c'est trop beau. Ça me réjouit vraiment de le lire dans cet exemplaire, je le trouve tellement beau et les pages font un bruit si beau. Ça c'est très bizarre, mais j'aime bien. Après cette semaine, j'aimerais aussi lire Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Du coup c'est une nouvelle collection chez Robert Laffont, c'est la collection Inari qui a été créée par Michael Braarnaud, du coup l'auteur des Mémoires de la forêt, un livre que j'aime vraiment beaucoup. Je n'ai qu'une vague idée de quoi ça parle, je sais juste qu'on va suivre une famille et c'est tout. Je voulais pas en savoir plus parce que déjà je fais confiance à Michael Braarnaud, je sais pas, j'ai trop aimé ses livres pour ne pas lui faire confiance, et je trouve que l'objet de livre est absolument magnifique et les dessins à l'intérieur sont trop trop beaux. Oui, parce que je sais plus si je l'ai dit, mais c'est un roman graphique, une BD, je sais jamais la différence. Et je trouve que les dessins sont trop beaux, la mise en couleur est magnifique, j'adore. Donc j'ai très très hâte de le lire, le seul point c'est qu'il fait pleurer, donc il faut que je me munisse de mouchoirs et que je sois prête mentalement à chialer. Alors je ne sais pas si je vais le lire cette semaine, mais en tout cas je vais pouvoir prendre le livre audio sur Audible, parce que j'ai mes crédits le 11, donc je vais pouvoir le prendre.
c'est Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett, qui va être bientôt traduit, je crois, au mois de début février, il me semble. Je ne sais plus chez quelle maison d'édition, mais je le trouve tellement beau. Oh là, là. Là non plus, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais du coup, moi, j'ai la version en anglais et j'ai vraiment trop hâte de lire parce que j'ai entendu quand même pas mal de bons retours et je sais que ça se passe en hiver où il y a beaucoup de froid et la neige. Donc, à Marseille, il fait beau, mais il fait froid, donc j'ai hâte de le lire. Je sais pas trop encore si je pourrais le lire en même temps que tous ces romans, mais pourquoi pas. Et enfin, le dernier livre que je suis en train de lire, ou plutôt d'écouter, c'est Twisted Love de Anna Wang. C'est absolument pas mon genre de lecture d'habitude, mais je prépare une vidéo avec une amie. Vous vous attendez pas à la voir tout de suite, elle verra le jour dans des mois et des mois. On s'est créé une petite liste de livres à lire. Et du coup je l'écoute et je vous avoue que j'ai écouté que 3 chapitres et je trouve ça vraiment très très mauvais. Quand j'étais plus jeune, genre à 16 ans, j'avais poncé After de Anna Todd, j'étais fan et amoureuse de Hardin Scott. On fait tous des erreurs dans la vie et en fait c'est le même genre de livre et je trouve que c'est écrit très pauvrement, c'est très mal écrit, très cliché et voilà. Du coup je prends des notes pour cette future vidéo et... Bon, je donne énormément mon avis et mon avis négatif en taclant le livre, donc je vais pas forcément faire ça, enfin on fera pas ça dans la vidéo avec ma pote, hein, ce sera quand même beaucoup plus objectif et ce sera pas ça le cœur du sujet, mais je trouve que c'est vraiment... voilà. Donc peut-être que s'il y a une dinguerie que je trouve horrible, je vous en parlerai dans ce vlog-là, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé et je vais vous laisser, je vous retrouverai, je pense, demain pour vous faire un update de ce que j'ai pu lire. Hello, on est jeudi, je vous ai pas repris ces 2 derniers jours, tout simplement parce que j'ai pas énormément lu et que j'avais pas grand-chose à vous dire. Je suis juste allée hier à la bibliothèque pour emprunter quelques livres et je suis revenue, il était tard, il faisait nuit, donc ça servait à rien de vous montrer à ce moment-là. Oui, du coup j'ai dit dans ma dernière vidéo qu'il fallait que je me souvienne que j'ai une pile à lire et que j'arrête d'emprunter trop, bah j'ai échoué, hein, j'en ai emprunté 6 et ils sont tous en langue étrangère bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Le premier c'est Harry Potter et à l'école des sorciers, du coup ici en anglais, Harry Potter and the Philosopher's Stone chez Bloomsbury. Je n'ai jamais lu Harry Potter de toute ma vie, j'ai regardé les films, le premier et le deuxième quand j'étais petite, j'ai eu peur du basilic et j'ai arrêté de regarder par la suite. Et ce n'est que des années et des années après que j'ai regardé tous les films et que je les aime beaucoup. Mais je ne les ai jamais lus. Mon frère les a tous lus, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il les a tous lus. Mais moi je suis passée à côté et en fait j'ai pas forcément envie de les avoir dans ma propre bibliothèque. Donc je me dis que les emprunter ça peut être cool. Et je vais trouver assez facilement je pense l'audio sur YouTube. Donc ça va se lire assez rapidement parce que je pensais qu'il était plus gros. Mais en fait il fait que 330 pages donc... on va voir. J'ai eu des petits sneak peeks de Riddler parce qu'elle m'a montré en fait, on parlait d'abréviation, j'en avais parlé dans une vidéo sur l'odeur des clémentines grillées que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'abréviations dans les dialogues et elle m'a montré quelques extraits en fait où elle trouve que Hagrid on le fait parler vraiment d'une manière ultra rustre et... avec beaucoup d'abréviations et ça me donne vraiment envie de découvrir le roman parce que j'ai entendu aussi beaucoup parler des scènes où il y a des cuisines, je crois que c'est ça, et du coup je suis curieuse et je vais le lire bientôt, je sais pas quand mais bientôt. Ensuite j'ai pris un livre de Isabel Allende, c'est El Amante Japonés, je crois qu'il est traduit en français sous L'Amant Japonais, il me semble que c'est ça. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Je veux lire plus en espagnol, donc je me suis dit que j'allais commencer avec celui-ci. Je sais qu'il y a la version audio sur Audible, donc peut-être que je le prendrai soit celui-ci, soit Emily Wilde. Mais Emily Wilde, j'ai très très envie de le lire. Je verrai bien, c'est pas trop la question. Ici, je sais pas trop de quoi ça parle, à part d'une femme et de son amant japonais. La couverture et le titre m'a suffisamment convaincue pour le prendre, et ce qu'il y avait en jaune ici aussi. Bref, l'histoire d'amour entre la jeune Alma Belasco et le jardinier japonais Ichimi conduit le lecteur à travers diverses scènes qui se passent de la Pologne de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au San Francisco de nos jours. Donc voilà, ça va être un roman historique, donc forcément ça m'intéresse puisque c'est mon genre de prédilection. Quand je travaillais encore à Bruxelles, à la librairie, il y avait
Alors c'est peut-être son nouveau roman ou ses romans les plus connus, je sais pas. C'est Violetta. J'ai pas pris celui-ci pour je ne sais plus quelle raison. J'avais aussi entendu beaucoup parler de La Maison aux Esprits, mais c'est un pavé comme ça, donc je me suis dit ça va me décourager si je le lis en espagnol. Là, il fait 350 pages. Donc je trouve que 350 pages, ça va. C'est pas trop long non plus. Ça va peut-être pas trop me décourager. J'avoue, j'appréhende quand même pas mal la lecture en espagnol, mais je me dis que ça peut être une bonne porte d'entrée. Isabel Allende, c'est une autrice chilienne, donc peut-être qu'il y aura des expressions que je ne connais pas parce que je connais pas trop le langage, enfin les expressions chiliennes. Donc on verra bien. Ensuite, je me suis pris des livres pour le portugais. J'ai pris ce truc-là. Je trouvais que les exercices à l'intérieur étaient cool. C'est je sais pas comment. Giro? Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Que giro? Le portugais en contexte, révisé et progressé. Du coup, c'est niveau A2, B1. Et c'est que des exercices sur de la grammaire, du vocabulaire, voilà, des choses comme ça. Et il y a des petits textes aussi. Attendez que je vous en trouve un. Par exemple, ici. Et du coup, je pense que ça peut être utile aussi pour que je puisse m'exercer à l'oral. Parce que, en vrai, je comprends quand même beaucoup de choses. Quand je lis un texte en portugais, c'est pas trop complexe pour moi de comprendre ce qui se dit. Mais c'est plus difficile de le parler. C'est aussi pour ça que j'ai pris en complément deux petits livres pour enfants. Du coup, Blanca de Neve. Oula, j'ai dit ça avec un accent espagnol. C'est Blanca de Neve, je sais pas. Et Osnomus Iu Zapatero, je crois qu'on dit comme ça. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai un accent fort en espagnol quand je parle en portugais. Et du coup, j'ai regardé un petit peu, du coup, c'est l'histoire de Blanche-Neige. Et du coup, j'ai feuilleté les premières pages. Et honnêtement, je comprends 95% de ce que je lis. Surtout que c'est quelque chose que je connais, enfin Blanche-Neige, je connais l'histoire, je crois que j'ai jamais lu le conte, mais bon, on sait tous de quoi retourne l'histoire de Blanche-Neige. Et en fait, ça va aussi me permettre de lire à voix haute et d'exercer mon parler. En fait, le portugais européen est une langue beaucoup plus fermée que l'espagnol, le portugais brésilien moins. Il y a aussi un peu plus ouvert et un peu plus chantant. Le portugais européen, c'est très fermé. Enfin, quand vous voyez des portugais parler, ils ont la bouche un peu plus fermée qu'un espagnol va avoir la bouche plus ouverte. Et c'est assez complexe pour moi, malgré le fait que En portugais, il y a beaucoup de sons nasaux, par exemple tout ce qui est AO, du coup avec la tilde, je sais plus comment on appelle ça en français, mais du coup la petite vaguelette là, c'est des sons nasaux, et pareil pour les EM, enfin voyelles suivies d'un M, c'est des sons nasaux, du coup ça fait EN, enfin bref, vous avez capté l'idée, comme nous en France, enfin en français plutôt, on a des sons nasaux avec EN, EN, des trucs comme ça, et même si ça se rapproche du français, je calque beaucoup avec l'espagnol parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent avec l'espagnol. C'est plus facile pour moi de le lire parce que c'est très très similaire avec ce que je connais en espagnol, mais du coup le langage et la façon de parler est très différente, donc ça me perd un petit peu et c'est quand même plus complexe pour moi. Du coup ça va tout simplement m'aider à lire et parler à voix haute. Donc du coup Blanche-Neige, et ça je sais pas à quoi ça se fait référence comme conte. L'espèce de petit gnome là, on dirait ce doui-oui qui me faisait peur quand j'étais petite. Bref. Et enfin je vais vous parler de deux BD que j'ai lues. Du coup on va commencer par Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Ici on va suivre une famille qui va se réunir suite au premier anniversaire de la mort du grand-père, dont j'ai oublié le nom, j'avoue j'ai oublié un peu le nom de beaucoup des personnages, voire même de tous. J'ai eu du mal à retenir tous les prénoms. Bref, du coup on va les suivre se réunir pour cette occasion, et ils vont se réunir du coup dans cette confiserie, c'est la confiserie Ito Kompeito. Kompeito c'est des bonbons japonais qui sont composés de je ne sais plus quoi, je crois que c'est même pas dit. Et en fait j'ai trouvé globalement l'histoire qui était bien. Il y a quand même pas mal de dysfonctionnements et de non-dits, beaucoup de silence, de tensions silencieuses, et en fait ça va se régler au fur et à mesure et en essayant de comprendre le point de vue de chacun. Donc chaque chapitre se concentre sur un membre de la famille, et il y a notamment un chapitre sur le chat que j'ai adoré parce que du coup le chat c'est un peu le gardien de
de la confiserie et de la famille. Et j'ai trouvé que c'était très, très cool d'avoir aussi son point de vue à lui. J'ai bien aimé l'ensemble de l'histoire, je l'ai juste pas trouvé assez poussée. Elle était, enfin, comme j'ai vu aussi un commentaire, enfin, un avis sur Goodreads, je crois, qui disait que la fin était assez convenue. C'est vrai, j'ai trouvé que c'était le cas aussi. Mais je trouve que globalement, c'est une bonne histoire qui est assez douce et je trouve que les dessins sont magnifiques. Vraiment, je les trouve trop trop beaux. Il y a des dominances de couleurs, par exemple, là, il y a du orange. Franchement, c'est super beau. Je trouve les dessins incroyables. Alors, attendez, je vous en trouver un autre. Ah, voilà, typiquement là, je trouve que c'est superbe. Est-ce qu'on va bien voir? Là, on voit bien. Là, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est vraiment. Il y a parfois pas beaucoup de texte, mais je trouve que les planches sont trop trop belles. Genre là, par exemple, on a des dominances de bleu violet avec du jaune là. Je trouve que c'est magnifiquement bien fait. Du coup, c'est Camille Monceau qui est au scénario et Virginie Blanchet au dessin. Et je sais pas quelle technique est utilisée, c'est pas dit à la fin. J'ai l'impression que c'est de l'aquarelle, mais je suis pas certaine parce que je m'y connais pas très très bien. Mais en tout cas, je suis trop fan, c'est vraiment trop trop beau les dessins. Bon, je voulais vous montrer une planche où il y a du rose, mais celle que j'ai trouvée vous spoil, donc c'est pas la peine. La chose aussi que j'ai bien aimée, c'est que les bonbons qui sont fabriqués, du coup les Compeito, c'est vraiment une chose très réconfortante et qu'on retrouve au fur et à mesure du récit. C'est un peu comme un point d'ancrage pour chacun des personnages. Parce qu'il y a un souvenir très doux qui s'y rattache, ou des souvenirs vraiment particuliers. Et c'est un peu aussi un membre de la famille, parce que ils ont tous une histoire particulière avec ce bonbon, ça leur rappelle tous quelque chose, et c'est vraiment ponctué dans le récit. On le voit aussi dans les dessins, parfois il y a juste des images, et il y a des bonbons qui volent un petit peu dans les dessins. Voilà, comme cette planche-là, où on voit des petits bonbons un peu partout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très cool aussi d'avoir ça. Bref, c'est une BD qui est très très belle, que je vous invite à découvrir. C'est une histoire familiale très douce. Il y a quand même des sujets un peu compliqués à aborder. Il y a des trigger warnings, donc je vais peut-être pas vous les dire à l'oral parce que ça va vous spoiler. Si jamais vous voulez les savoir, dites-moi-le en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram et je vous répondrai. Mais il y a quelques sujets qui sont traités qui peuvent être un petit peu difficiles, mais je trouve que c'est pas forcément adouci par les dessins, mais c'est bien représenté, en tout cas avec les dessins. En fait, la palette de couleurs est assez douce, du coup ça rend la chose un peu plus douce, mais ça n'enlève pas au fait que c'est des sujets un peu complexes à aborder. La dernière BD dont je voulais vous parler, que j'ai terminée ce matin, c'est Frida Kahlo, Una Biografia de Maria S, je crois, H-E-2-S-E-E. Il me semble qu'elle a été traduite, je vous mettrai la couverture en français si jamais je la trouve et si jamais c'est traduit. Mais vous avez peut-être déjà vu ce genre d'ouvrage, ce style de dessin vous rappelle peut-être quelque chose. J'ai hésité à prendre celui-ci ou Mujeres, je ne sais plus quoi. Je vous mettrai la couverture également ici. Et ici, je vous la mettrai en français parce qu'il me semble qu'il a été traduit. Voilà. Il me semble que c'était des récits de femmes qui ne se taisent pas. Voilà. C'est des choses qui m'intéressent. Et j'ai finalement décidé de prendre celui sur Frida Kahlo parce que je voulais, me réintroduire à la littérature espagnole. Et Frida Kahlo, je connais très bien sa vie. C'est une femme qui m'a fascinée pendant des années. J'ai découvert en troisième, je crois. Oui, il me semble que c'était en troisième qu'on avait regardé Frida, du coup le film avec Salma Hayek. Et c'est la première fois que j'ai été introduite à Frida Kahlo. C'est par le biais du film que j'avais adoré. J'avais trouvé que c'était une femme exceptionnelle. Et depuis, j'ai vécu au Mexique et je suis allée voir la Casa Azul, du coup là où elle a vécu une partie de sa vie. Et c'était l'un de mes rêves et honnêtement, c'était incroyable. J'aurais aucune photo à vous donner puisqu'il faut payer pour prendre des photos. Et j'ai vraiment vécu le moment présent où j'ai dû passer, je pense, facilement 2 voire 3 heures à regarder chacune des pièces de sa maison, chacune des œuvres qui étaient exposées. Et si jamais un jour vous allez à Mexico, n'hésitez pas à aller à la Casa Azul, prenez vos billets à l'avance parce que ça fait la queue sinon.
Et c'est compliqué aussi d'y rentrer, donc prenez vos billets en avance si jamais vous voulez y aller. Parenthèse sur le Mexique fermé, c'est une très belle BD, du coup ça mélange texte et dessin et j'adore le style graphique. Voilà la première page typiquement, du coup on a un portrait de Frida Kahlo avec l'introduction à un peu ce qu'a voulu faire l'autrice dans cet ouvrage. Ça mélange du texte et du dessin, je sais pas si vous verrez bien, et du coup soit il y a les textes écrits comme ça, soit manuscrits. Et pour les textes manuscrits, j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu compliqué à lire parce que l'écriture est assez un peu en patte de mouche et c'était parfois pas trop lisible. Mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai lu en espagnol et qu'il y a certains mots que j'arrivais pas trop à reconnaître ou que je connaissais pas tout court. J'ai vraiment réappris à découvrir Frida Kahlo parce que c'est une artiste que j'admire et que j'ai adoré pendant des années, que j'adore toujours autant, mais j'avais une certaine obsession pour elle pendant un petit moment. Et bah en fait ça me rappelle à quel point son mari c'était un énorme connard. Oh là là, qu'est-ce qu'il était nul. Parce que du coup, si jamais vous le connaissez pas, c'est Diego Rivera. C'était un peintre muraliste. En fait, il peignait des énormes murales qui ont été un peu partout dans le monde. Il y en a un à Mexico. Pour tout vous dire, je trouve que c'est un artiste... En fait, il me dégoûte tellement que je suis même pas allée voir son mural quand j'étais à Mexico. C'est un grand artiste et il fait ses peintures sont magnifiques, mais l'homme derrière est une immense merde, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, Diego Rivera est un homme qui est très infidèle et manipulateur. Enfin, on comprend quand même au fur et à mesure quand on voit quand on lit la vie de Frida Kahlo. C'est un homme jaloux, possessif, mais très frivole. Faut que je retrouve la page, mais il a quand même dit à un moment donné à Frida Kahlo que son infidélité était une maladie. C'est ici où c'est écrit « Moins d'un an après notre mariage, Diego a commencé à être infidèle. Il se justifiait en me disant qu'un médecin lui avait dit qu'il était incapable d'être monogame. » Donc une très bonne justification, c'est bien pour ça que quelques années après, il s'est tapé la petite sœur de Frida Kahlo, voilà. Un homme très très bien, voilà, et quand à un moment donné, du coup, Frida Kahlo a eu des amants et des amantes, mais lui était extrêmement jaloux et il la voulait que pour elle, mais lui pouvait aller voir ailleurs. Pour le mariage de Frida Kahlo, ses parents lui ont dit qu'ils avaient l'impression d'avoir un éléphant qui se mariait avec une colombe. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est l'image parfaite pour décrire Diego Rivera. Enfin bon, bref, si jamais vous connaissez pas la vie de Frida Kahlo, c'est très intéressant à voir. Il y a une bibliographie aussi à la fin si jamais vous voulez en savoir plus. Mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée parce que ça mêle du coup les dessins, les écrits, c'est quand même bien fait. Il y a plusieurs pans de sa vie qui sont très, très marquants. Donc parce qu'elle n'a pas peint toute sa vie, enfin, elle n'a pas été reconnue très, très tôt, elle a été reconnue même très tardivement. Pendant très longtemps, ça a été son mari qui a été reconnu et qui avait toute la lumière sur lui. Et à un moment donné, la tendance s'est inversée, ce qui a rendu également, encore une fois, jaloux à Diego, voilà, un homme bien. En fait, c'est une femme qui a vraiment beaucoup, beaucoup souffert dans sa vie, donc si jamais vous connaissez pas sa vie, je vous invite vivement à le faire. Je vous ai spoilé plein de trucs, mais bon, hein, c'est quand même de notoriété publique qu'elle a été en couple avec Diego Rivera et que c'était un homme nul. Et en ce qui concerne les deux autres lectures que j'ai en cours, donc Jane Eyre et Le Comte de Monte Cristo, j'ai pas énormément avancé, mais bon, j'aime toujours autant, je trouve ça toujours aussi intéressant. J'ai un petit peu de mal à lire Jane Eyre parce que je le lisais dans mon lit, en fait je m'endors au bout de deux pages. Il faut que je trouve un autre temps pour le lire parce que avant de dormir c'est pas la bonne idée. Voilà, on verra bien. Je vous reprendrai peut-être vendredi parce que je pense que je vais aller m'acheter des livres. Il me reste des chèques cadeaux que mon papa n'a pas voulu parce qu'il en avait pas besoin. Et du coup il me les a gentiment donnés. Et maintenant qu'on a fait des achats utiles et d'adultes avec mon copain, il me reste de l'argent pour m'acheter des livres. Donc je pense que je vais m'acheter deux romans, enfin une BD et un roman, et si je vous montrerai ça si jamais c'est le cas.
Hello, on est vendredi soir. Je vous ai pas repris avant tout simplement parce que j'ai pas énormément lu. J'ai juste commencé hier soir très rapidement Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. C'est aussi un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais du coup, vu qu'il n'était pas disponible en physique, je l'ai pris sur ma liseuse. Pour le moment, j'ai juste lu l'avant-propos et l'introduction et j'ai déjà surligné quand même pas mal de choses qui, je trouve, sont pertinentes ou qui m'accrochent l'œil, qui me. Enfin bref, où je me reconnais, où j'ai des choses qui m'interpellent, voilà, tout simplement. Et bah, je pense que ce sera ma lecture pour le soir, dans mon lit. Et voilà. Et il me semble que je vous l'ai dit hier, mais du coup j'avais des chèques cadeaux que mon papa n'a pas utilisé, qu'il nous a gentiment donné à mon copain et moi. Et après des achats utiles d'adultes, j'ai pu m'acheter des livres. Il me restait encore... deux chèques, je crois, à utiliser avant le 31 janvier, donc dans tous les cas, il aurait fallu qu'on achète quelque chose et je me suis dit que j'allais m'acheter des livres et j'ai commencé avec celui-ci, c'est Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Ke Mei. C'est celle qui a écrit Pour que chantent les montagnes, qui a été un très gros coup de cœur l'année dernière. Il me semble ici qu'on va suivre peut-être une famille ou en tout cas ça se passe pendant la guerre du Vietnam et je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Parce que j'avais tellement aimé la plume de l'autrice et l'aspect historique du Vietnam et tout ce qui était en ressorti de cette lecture que j'ai vraiment envie de m'y plonger un peu les yeux fermés. C'est le livre qui a été choisi pour le book club de Louise pour août. Et je sais pas si je vais réussir à attendre août pour le lire. On verra bien, peut-être que je vais craquer avant, je sais pas trop encore. Et je me suis également pris le deuxième tome de Lou Sonata de Julien Neal et j'ai trop hâte de le lire. Ce sera peut-être ma lecture pour ce soir ou dans la soirée là. Parce que j'avais adoré Lou Sonata, le premier volume, et j'avais adoré toute la saga de Lou, donc forcément je voulais me le procurer. Bon, on voit pas très bien parce que j'ai mon néon rose juste ici, donc... ça, on voit pas très bien les couleurs et comment ça rend, mais bon, c'est un peu rouge comme ça, quoi. Et j'ai vraiment trop hâte parce que là, il me semble qu'on va suivre Lou qui va organiser un festival à Mortebouze, là où vit sa grand-mère. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et je crois que je vous avais parlé du fait que j'allais peut-être prendre en audio El Amante Japonés de Isabel Allende. Et au final, non, j'ai pris en audio... Du coup j'ai pris celui-ci, Emily White's Encyclopedia of Fairies. Je ne l'ai pas encore commencé, j'avoue que je patauge un petit peu parce que j'ai commencé beaucoup de lectures différentes et je patauge aussi un petit peu dans les deux classiques, donc bon, il faut que je me reconcentre et que je finisse un livre et que j'en fasse un autre, puis un autre. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles sont vos premières lectures de janvier si jamais... vous avez eu un petit temps où vous n'avez pas lu un peu comme moi en début d'année. Bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, aimer la vidéo, la partager, vous abonner si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !